Bonjour tout le monde, c'est Chris. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur StarCraft 2 Heart of the Swarm. Dans l'épisode précédent, donc dans la mission Domination, nous avons eu une nouvelle unité, les Chancres. C'est une petite unité qui roule et qui explose au contact de l'ennemi. Donc une unité très intéressante. Et on va continuer parce qu'il y en avait une autre. On avait eu un choix de deux missions, on est allé sur Char. Et donc dans la deuxième, je crois que c'est le nom de l'unité qu'on va gagner, c'est Aberration. On verra ce qu'elle donne. Et voilà. Bon, je sais, j'ai pas trop de skill à StarCraft. Je suis très très lent. Si en ladder, je me fais éclater. Il s'agit de votre alcôve personnelle. Vous pouvez y reconfigurer vos voies neuronales pour modifier vos capacités. De nouveaux pouvoirs deviendront accessibles lorsque vous gagnerez en puissance. Vous pouvez venir réorganiser vos capacités actives ici quand vous le souhaitez. Gagan gagne 200 points de vie maximum, sa régénération est améliorée de 50%. Action en chaîne. L'attaque normale de Kerrigan rebondit et inflige 10 points de dégâts à chaque cible supplémentaire. Frappe jusqu'à 4 cibles. On va prendre celle-là. Fosse d'évolution. Qu'est-ce qu'on a? On a rien. Ah bah si. Nouvelle converse et chancre. D'où vient ce bruit? Échec des expériences. Réincorporation biomasse. Processus lent. Tu pourrais au moins mettre un terme à leur souffrance avant. Effort gaspillé. Créature bientôt morte. Douleur pas pertinente. Quand tu dis ce genre de choses, Abattur, je parviens presque à me souvenir de toi. Et je ressens de la colère. Colère produit de l'adrénaline. Réponse au stress. Menace imminente. Pas de menace pour vous, pas de colère. C'est moi qui en jugerai. D'accord. Le chancre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Augmente les dégâts de l'attaque de base infligée à la cible principale de 100%. Rayon d'explosion augmenté de 50%. Ah, des dégâts normaux, les explosions de chancre soignent aussi les unités et les bâtiments alliés proches. Oh, je vais faire celui-là. Nouvelle converse. Isha, tout autour de moi, je vois des traces de l'ancienne reine des lames. Mais je n'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai tenu mes troupes sur char pendant si longtemps. Vous observiez l'avenir et prépariez une grande guerre. Quelle guerre? Explique-toi. Vous ne nous l'avez jamais dit. Vous avez seulement parlé d'une vision de notre extinction. Et vous vouliez que nous nous battions jusqu'au dernier. Je ne m'en souviens pas. Pas du tout. L'essaim s'étend encore. À votre tour, Warfield. Reprendre cette planète sera un message pour votre empereur. Je viens le chercher. Tu sais pourquoi je t'ai vaincu? Vous étiez plus forte que moi. Non. Plus rapide alors? Non. Ne jouez pas avec moi, ma reine. Dites-moi votre secret. Va parler à Abattur à la fosse d'évolution. Il m'expliquera. Il te changera. Pars. Ah bon, ça va? Parle-moi des modifications que tu as apportées à Zagara. Conception de base du modèle de mer découvert pour résolution de problèmes complexes. Assimilation d'expérience, capacité de commandement, concentration sur tâches multiples. Depuis, intégration de densité musculaire, extension de la matière cérébrale, capacité de réflexion sur hypothèses multiples, flexibilité cognitive. Je devrais peut-être ajouter ça sur toutes les mers découvertes à venir. Matière cérébrale complémentaire considérée superflue pour le rôle de mère découvée dans les seins. Matière supplémentaire appelée consommation d'énergie supplémentaire. Également
possibilité d'indépendance accrue. Contradictoire avec directive. Zerg impérativement sans danger pour le dirigeant de l'essaim. Les temps changent. Je veux que mes serviteurs soient aussi dangereux que possible. Bon. Il est temps de faire la mission quand même, hein. Pour atteindre le plateau immuable, l'essaim doit traverser la tranchée osseuse. Les terrains mettront toute leur force dans la bataille. Nouvelle évolution de Zergling. Bon, on se retrouve à la fin du chargement, hein, comme d'hab. Alors, on se retrouve ici. On va écouter le blabla de la mission. Et donc, j'ai déjà tenté de faire passer ma couvée par ici. Les terrains ont envahi les cieux de leur tuer à ces gorgones. Ils nous ont bombardés encore et encore. Ma couvée a beaucoup saigné avant de mourir, emportant tout espoir de repousser les terrains hors de char. Ah oui, je l'ai vu aussi cette mission. Attends, ce sont des nids de fléaux. Ils pourraient abattre un cuirassé gorgone. Nous devons seulement les réveiller. Ma reine, nous devrions traverser la tranchée rapidement sans nous préoccuper des gorgones. Si nous prenons les terrains par surprise, nous ne devrions pas essuyer de trop lourdes pertes. Et dans le cas contraire, les saints meurent. Tu devrais apprendre à anticiper, Zagara. Planification, calcul, ruse. Nous pouvons utiliser cette tumeur muqueuse pour placer une tumeur près du nid de fléau. Dès qu'il sera actif, la gorgone de Warfield sera fichue. Qu'y a-t-il maintenant ? Le général Warfield a fait appel à une gorgone. Elle se dirige droit vers notre ruche. Ce vaisseau est gigantesque. Pas étonnant que Warfield ne puisse pas en déployer deux en même temps dans la tranchée. Il ne lui en faut qu'un. Vite, répandez du mucus près de ces nids de fléau pour que nous puissions y poser une tumeur muqueuse. Déjà ? Cela réveillera le nid de fléau. J'espère que ce sera suffisant pour détruire la gorgone. D'autres dominants pour augmenter votre ravitaillement. Réveiller les nids de fléaux. Détruire les cuirassés gorgones. Nids de fléaux. Ouais. Rien du tout là. Extracteur. Déjà, bassin génétique. Chambre
d'évolution. Nid de chancre. Donc bassin génétique, chambre d'évolution, extracteur. Et la défense. Nous allons manquer de temps. S'approche de notre ruche. Ouais. Il y en a une autre là. L'essaim est affamé. Ah ouais, elle est pas loin. C'est le début de la fin, Warfield. Le nid de fléau a utilisé toute sa force vitale pour abattre la gorgone. Nous en avons d'autres. Mettez une tumeur muqueuse près du suivant. Allez! Qu'une autre gorgone rejoigne le combat! Découverte d'essence utilisable dans la biomasse Zerg. Précieuse séquence. Récupération. Montée en puissance de la reine des lames. L'essaim ne se repose jamais. Allez, meurs. Personne ne peut me faire obstacle. Vite.
bordel, Mucus. Ouais, ouais. Fais venir une autre gorgone, écrasez Kerrigan. L'essaim est affamé. En avant. Déployez les capsules de débarquement. Vous avez toute mon attention. Nous allons manquer de temps. L'essaim est affamé. Personne ne peut me faire obstacle. Sur la ligne de front pour générer des tumeurs muqueuses. Je comprends. Plus les tumeurs sont nombreuses, plus le mucus se répand. Ce monde m'appartient. Gorgone est tombée. Continuez comme ça. Réveillez d'autres nids de fléau. Appelez une autre gorgone. L'essaim est affamé. On vous a demandé quelque chose ? Qu'y a-t-il maintenant ? L'essaim est affamé. Je sais. Personne ne peut me faire obstacle.
attention. On va en finir. Oui. Les saints ne se reposent jamais. En avant. Nous allons manquer de temps. Ce monde m'appartient. Les saints ne se reposent jamais. Jamais, Kerrigan. Le général Warfield a fait appel à une autre gorgone, ma reine. Il y a beaucoup d'ossements dans cette tranchée, tous de Zerg, et vous les rejoindrez bientôt. Objectif bonus accroîtra votre niveau de puissance. Personne ne peut faire obstacle. Oui? Viens, bats-toi. Nous allons manquer de temps. Pas de quartier. Les saints est affamé. M'appartient. Ils vous en.
Vous allez me le payer, Kerrigan. Qu'une autre Gorgone rejoigne le combat. Nous allons manquer de temps. Par contre, ils sont où, là? Les saints ne se reposent jamais. Nous avons engagé le combat contre l'ennemi. Crachez le morceau. L'essaim est affamé. Vous avez toute mon attention. L'essaim ne se... Crachez le morceau. Finissons-en. Allons-y. Personne ne peut me faire obstacle. Nous allons manquer de temps. Viens, bats-toi. Oh, il est juste à côté, c'est quoi ce délire? Finissons-en. Qu'y a-t-il maintenant? Détruisent le nid de fléau avant que les ergues ne le réveillent. Au fait, déchaîné. Une autre gorgone est tombée. Continuez comme ça. Réveillez d'autres nids de fléau. J'ai revendiqué cette planète au nom du Dominion Terran. Je ne vais pas la perdre. Oh, mais je pense que si. C'est bien votre dernière gorgone. Pas de prisonnier. Allez, meurs. Finissons-en. En avant. Viens, bats-toi. Personne ne peut faire obstacle. Oui. Tiens, on a pas vu ça. Appartient. Qu'est-ce qu'on était où?
Le mucus. Nous allons manquer de temps. Personne ne peut me faire obstacle. Finissons-en. En avant! Ce monde m'appartient. Ça c'est con ça. Engager le combat contre l'ennemi. Parlez vite. Ah non, là. Nous allons manquer de temps. Allez, meurs. Allons-y. En avant. T'inquiète, je vais juste chercher les biomasses zerg. Qu'y a-t-il maintenant? Ce monde m'appartient. On vous a demandé quelque chose? En avant! Pas de quartier! J'en ai trouvé qu'un, les autres doivent être à côté de la base de Warfield. Nous en avons perdu le contrôle. Kerrigan, c'est Warfield. Je sais que vous m'entendez. J'ai un message pour vous. Amenez tout ce que vous pouvez. Votre essaim tout entier. Je ne veux pas pourchasser les fuyards lorsque nous vous aurons écrasé. Nous nous reverrons au plateau immuable, vieillard.
Un vieillard. Au feu obtenu. J'en ai obtenu un en... Donc, réserve à campagne, machin. Ne pas perdre plus de 5 ouvriers face au cuirassé. Donc ça, c'est bon aussi. Non, c'est pas bon. Détruire 3 stations orbitales dans la mission. Le feu du machin. D'accord. 26 minutes. Bon, elle était courte, celle-là, par rapport aux autres. Bon, d'un côté, tant mieux. Ok, il va y avoir un peu de blabla, sûrement à la fin de la mission. On va dire celle-là est un peu plus facile que les autres, mais je vais pas trouver les biomasses d'air, j'en ai trouvé qu'une. Je pense que les... à moins que je suis passé devant, mais je pense que les deux autres étaient près de la base de Warfield, donc... faut faire attention aux cuirassés, et en plus, faut faire attention aux autres troupes. Je sens la haine de ma reine. Elle brûle comme une étoile. Mais il y a autre chose en dessous. Je ne comprends pas. C'est de la douleur, Isha. Parfois même ma haine ne suffit pas à me protéger de mes souvenirs. D'un ennemi qui vous a fait du mal? Non. D'une époque meilleure. D'un ami que j'ai perdu. Un ami, c'est tout? Isha, quand la reine des lames, quand j'étais à la tête de l'essaim ici sur Char, comment étais-je? Vous étiez si puissante. Vous nous avez rendus forts et rusés. Et nous savions que notre survie ne dépendait que de vous. Et maintenant? Maintenant, rien n'est clair, mais l'essaim survivra. Si vous mourrez, nous servirons un autre maître. Je suis le chef de l'essaim, et si je meurs, il en sera de même pour vous tous. Souviens-t'en. Votre stratégie contre les terrains était étrange, mais je la comprends maintenant. Les modifications d'abattures commencent à porter leurs fruits. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur le champ de bataille? Vision, est-ce comme la ruse? Non. La cruauté? Abatture, va le voir. Son travail est douloureux. Mais il te permettra de comprendre. J'irai. Je n'ai pas besoin de lire les pensées de Warfield pour savoir le sort qu'il me réserve. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il attend. Fausse évolution. Voilà. Nouvelle découverte. Amélioration à grande échelle des séquences Zergling. Quel type d'amélioration? Réponse complexe. Ramification dans l'évolution des Zergling est entièrement optimisée. Formation possible de deux nouvelles souches. Alors ajoute-les à l'essaim, abatture. Souches mutuellement exclusives. Séquençage incompatible. Choix d'une souche nécessaire. Autre souche écartée. Bien, fabrique-en de chaque sorte. Je veux les voir en action. Préparation de test pour les deux. Initiation depuis la fosse d'évolution. Je vais fouiller dans ta mémoire, abatture, et découvrir pourquoi je ressens autant de colère quand je te vois. Souvenir sans importance. Distraction. Je le vois dans ton esprit. C'est toi qui as conçu la reine des lames. Tes membres m'ont emprisonné dans la chrysalide. Faible et molle. Pulvérisation des os, lacération de la chair. Pour votre amélioration. Si tu n'étais pas si important pour mes projets... Tu serais déjà mort. Référence confuse. Bon. Bon, on va faire les missions d'évolution. Sûrement demain. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et donc, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de StarCraft 2 Heart of the Swarm. Allez, salut!